La ville de Yaoundé et ses environs font face à un manque d'eau potable. Pour remédier à ces perturbations observées dans la capitale politique du pays, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundu Esumba, instruit le top management de la CAM Water de relever sans délai le niveau de production d'eau à 130 000 mètres cubes, de veiller à la bonne qualité des réactifs qui garantissent un bon traitement de la source et surtout de renforcer l'approvisionnement en eau potable de la ville de Yaoundé. La décision du ministre est saluée par les populations de la ville de Yaoundé. Les Camerounais manquent d'eau partout, même l'eau à bord ne parvient pas à la voie. C'est bien, j'apprécie l'initiative du ministre. C'est d'abord une initiative à saluer, parce qu'en réalité, dans la ville, on manque beaucoup, on a beaucoup de problèmes d'eau. Bon, si cela se concrétise, ça serait une bonne chose. Ces citoyens souhaitent toutefois que le membre du gouvernement veille également au strict respect de ses instructions par la société concernée. Mais on connaît parfois, on dit, mais on ne suit pas, ce n'est pas suivi. Plusieurs instructions ont été données et par le chef d'État et par les ministres même. Mais le suivi n'est pas fait. Le suivi n'est pas fait. On le dit, mais on ne suit pas. Donc on espère qu'il ne va pas se limiter seulement à le dire. Maintenant, il faut qu'il suive. Qu'il envoie ses éléments, ses agents sur le terrain pour venir, pour effectivement vérifier si les instructions qu'il a données sont exécutées. La disponibilité de l'eau potable à Yaoundé est un impératif car l'eau, c'est la vie.